Dominicini, élevé à la dignité de grand croix de deuxième classe. Jean-Pierre Dominicini a été élevé à la dignité de grand croix de deuxième classe. Cette illustre personnalité est décédée le 5 mars dernier. Jean-Pierre Dominicini est issu d'une famille de patriciens italiens et d'une famille de bâtisseurs ayant œuvré dans l'Est de la France et fils du résistant Marcel Dominicini, cofondateur du groupe Lorraine 42. Il avait construit toute sa carrière à Madagascar et autour de Madagascar. Membre titulaire de l'Académie malgache et se définissant comme étant historien et anthropologue, il a été le créateur du Centre d'art et d'archéologie de l'Université de Madagascar. Ayant voué sa vie à la connaissance historique et anthropologique de Madagascar, son dernier fait d'armes fut la présidence du Comité scientifique international du premier symposium international d'histoire, civilisation et culture placé sous l'égide de l'Académie malgache et la haute protection du président de la République de Madagascar. Ce symposium, qui s'est tenu en novembre 2017, aura réuni une quarantaine de savants nationaux et internationaux, avec pour résultat une déclaration finale qui fera date dans l'historiographie malgache et internationale. Son engagement professionnel lui a valu d'être décoré des palmes académiques françaises et d'avoir accédé au grade de grand officier de l'Ordre national malgache.